Salut, c'est Julia et Maëlle. Nous sommes très heureux de te retrouver pour une nouvelle séance de ton programme Décembre en forme avec l'Orange Bleu. Pour cette nouvelle séance, tu auras besoin d'une corde à sauter, de deux haltères de 4 à 6 kg, d'un tapis. On restera sur un travail de 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération. Ta séance va durer moins de 30 minutes. N'hésite pas à prendre les options adaptées à ton niveau et à demander à ton coach si tu as besoin. C'est parti! 30 secondes de corde à sauter. Ah, et l'option sans corde avec moi, si vous n'en avez pas chez vous. Relâche. On se place au sol pour la suite. Hip thrust. Hop. Les pieds bien à plat, les bras le long du corps. Et on va venir faire des relevés de bassin. On a le temps de souffler encore 10 secondes. Allez, regarde vers le plafond. On va travailler le fessier. Et top. On repousse, on expire, on inspire, on vient juste frôler le sol et non pas reposer le fessier. Rentrez le ventre, on est en appui sur les omoplates. Et on relâche. Attrapez les genoux et venez vous redresser. On peut se remettre debout. La suite développé militaire, on va travailler les épaules. On a besoin de nos haltères. On peut les attraper. On aura deux positions. La position ouverte avec moi et coude fermé avec Maëlle. On déverrouille les genoux et on y va. J'expire, j'inspire. Vous poussez bien au-dessus de la tête. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Hop. On repose au droit. Et on repart sur les abdos. Crunch oblique. L'option pied au sol avec moi et pied décollé avec Maëlle. On se place. On ramène les mains derrière la tête. 5 secondes. Je décolle les épaules. Et on va ramener épaules vers le genou opposé. On y va. Rentrez le ventre. Faites en sorte de garder le bas du dos proche du sol. J'expire, j'inspire. On garde les coudes ouverts. Le regard vers le plafond. Ah, on a bientôt terminé. Et on relâche. Hop. On repasse debout pour le prochain exercice des patineurs. Exercice cardio. Vous aurez encore une option plus simple avec moi. Sans impact. Je vous montre juste. On va venir pointer le pied derrière. Avec ou sans saut. Hop. On se tient prêt. On écarte un petit peu les pieds. Et on y va. On fléchit sur les jambes. Inspire, expire. On fait en sorte de garder le dos bien droit, la poitrine en avant. Dix secondes à peine. Allez tout le monde. Dernière. Et relâchez.
Fente alternée pour la suite avec des haltères. On peut le faire aussi sans haltères si c'est compliqué. Maëlle avec haltères, moi sans haltères. Les pieds largeur bassin, on va envoyer le pied loin derrière. 3, 2, 1, on y va. Allez. Je descends, buste droit, genou vers le sol. Inspire, expire. Gardez le talon avant ancré dans le sol. On est déjà à moins de 10 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. Secondes de corde à sauter. Allez, l'option sans corde avec moi, si vous n'en avez pas chez vous. Et on relâche. On se place au sol pour la suite. Hip thrust. Hop, les pieds bien à plat, les bras le long du corps. Et on va venir faire des relevés de bassin. On a le temps de souffler encore 10 secondes. Allez, regard vers le plafond. On va travailler le fessier. Et top, on repousse. On expire, on inspire, on vient juste frôler le sol et non pas reposer le fessier. Rentrez le ventre. On est en appui sur les omoplates. Et on relâche. Attrapez les genoux et venez vous redresser. On peut se remettre debout. La suite développée militaire, on va travailler les épaules. On a besoin de nos haltères. On peut les attraper. On aura deux positions. La position ouverte avec moi et coude fermé avec Maëlle. On déverrouille les genoux et on y va.
J'expire, j'inspire. Repoussez bien au-dessus de la tête. Avec 10 secondes. Et on relâche. Hop. On repose au droit. Et on repart sur les abdos. Crunch oblique. L'option pied au sol avec moi et pied décollé avec Maëlle. On se place. On ramène les mains derrière la tête. 5 secondes. Je décolle les épaules. On va ramener épaules vers le genou opposé. On y va. Rentrez le ventre. Faites en sorte de garder le bas du dos proche du sol. J'expire, j'inspire. On garde les coudes ouverts. Le regard vers le plafond. Ah, on a bientôt terminé. Et on relâche. Hop. On repasse debout pour le prochain exercice des patineurs. Exercice cardio. Vous aurez encore une option plus simple avec moi. Sans impact. On vous montre juste. On va venir pointer le pied derrière. Avec ou sans saut. Hop. On se tient prêt. On écarte un petit peu les pieds et on y va. On fléchit sur les jambes. Inspire, expire. On fait en sorte de garder le dos bien droit, la poitrine en avant. Dix secondes à peine. Allez tout le monde. Dernière, et relâchez. Fente alternée pour la suite, avec des haltères. On peut le faire aussi sans haltères, si c'est compliqué. Maëlle avec haltères, moi sans haltères. Les pieds largeur bassin, on va envoyer le pied loin derrière. 3, 2, 1, on y va. Allez. Je descends, buste droit, genou vers le sol. Inspire, expire. Gardez le talon avant ancré dans le sol. On est déjà à moins de 10 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. We'll be right back.
30 secondes de corde à sauter. Ah, et l'option sans corde avec moi, si vous n'en avez pas chez vous. Relâche. On se place au sol pour la suite. Hip thrust. Hop, les pieds bien à plat, les bras le long du corps. Et on va venir faire des relevés de bassin. On a le temps de souffler encore 10 secondes. Allez, regarde vers le plafond. On va travailler le fessier. Et top. On repousse, on expire, on inspire, on vient juste frôler le sol et non pas reposer le fessier. Rentrez le ventre, on est en appui sur les omoplates. Et on relâche. Attrapez les genoux et venez vous redresser. On peut se remettre debout. La suite développé militaire, on va travailler les épaules. On a besoin de nos haltères. On peut les attraper. On aura deux positions. La position ouverte avec moi et coude fermé avec Maëlle. On déverrouille les genoux et on y va. J'expire, j'inspire. Vous poussez bien au-dessus de la tête. Avec 10 secondes. Et on relâche. Hop. On repose au droit. Et on repart sur les abdos. Crunch oblique. L'option pied au sol avec moi et pied décollé avec Maëlle. On se place. On ramène les mains derrière la tête. 5 secondes. Je décolle les épaules. Et on va ramener épaule vers le genou opposé. On y va. Rentrez le ventre. Faites en sorte de garder le bas du dos proche du sol. J'expire, j'inspire. On garde les coudes ouverts. Le regard vers le plafond. Ah, on a bientôt terminé. Et on relâche. Hop. On repasse debout pour le prochain exercice des patineurs. Exercice cardio. Vous aurez encore une option plus simple avec moi. Sans impact. Je vous montre juste. On va venir pointer le pied derrière. Avec ou sans saut. Hop. On se tient prêt. On écarte un petit peu les pieds et on y va. On fléchit sur les jambes. Inspire, expire. On fait en sorte de garder le dos bien droit, la poitrine en avant. 10 secondes à peine. Allez tout le monde. Dernière, et relâchez. Pente alternée pour la suite, avec des haltères. On peut le faire aussi sans haltères, si c'est compliqué. Maëlle avec haltères, moi sans haltères. Les pieds largeur bassin, on va envoyer le pied loin derrière. 3, 2,
1, on y va. Allez. Je descends, buste droit, genou vers le sol. Inspire, expire. Gardez le talon avant ancré dans le sol. Vous êtes déjà à moins de 10 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Bravo à tous pour cette séance. On passe maintenant à la partie étirement de la fin de séance, un moment de relaxation où on peut étirer tous les muscles de la séance. On passe au sol, on s'allonge sur le dos, posez la tête, croisez la jambe gauche sur la jambe droite et venez chercher votre genou droit. Inspirez profondément par le nez et venez souffler, rapprochez tout doucement votre genou de votre buste. Soufflez, relâchez, on change de côté tout doucement. Jambe droite sur jambe gauche. Et je saisis mon genou gauche. Si je manque d'amplitude sur mon genou, je peux venir chercher ma cuisse. Ça marche tout aussi bien. On souffle, on relâche. Gardez la main sur le genou et servez-vous-en pour remonter tout doucement. Posez les pieds au sol, les mains au sol. Et on remonte, tendez les jambes, remontez dos rond, vertèbre après vertèbre, et venez vous mettre à côté de votre tapis. On vient saisir le cou du pied, la main sur la hanche. Julia, si tu veux venir te poser sur mon épaule. Si vous avez un mur chez vous, vous pouvez vous aider de votre mur. On ramène le talon à la fesse. Si on peut rétroverser très légèrement le bassin. On inspire profondément. On souffle, on relâche. Talon dans le sol. Même jambe toujours. Je pousse mes fessiers vers l'arrière et je descends sur ma jambe tendue. J'essaie de bien pousser mon bassin vers l'arrière. La jambe est tendue. On peut pointer le bout du pied vers le haut et venir étirer un petit peu au niveau du mollet. Et soufflez, relâchez. On fait pareil de l'autre côté. Talon à la fesse. N'oubliez pas que vous pouvez vous aider d'un mur chez vous ou d'une chaise. Ou comme Julia, d'un bâton invisible. On souffle, on relâche. Même chose, talon dans le sol. Fessier en arrière, je pousse. C'est le moment de la séance aussi où on retrouve un petit peu une intensité cardiaque normale. On peut retrouver une respiration calme et posée. Et souffler, remonter. Les pieds parallèles, j'inspire profondément. J'ouvre grand la poitrine, j'inspire par le nez, je rapproche mes omoplates. Je souffle, je rapproche mes mains et j'arrondis mon dos. Je pousse mes loins très très loin devant. J'inspire, je recommence. Et je souffle une dernière fois. Inspirez. Et soufflez, venez saisir vos mains dans le dos. Tirez-les vers le bas. On ouvre bien la poitrine. Prenez une grande inspiration et soufflez, remontez tout doucement les bras vers le haut. Ne donnez pas d'à-coup, essayez de remonter tout doucement. Sentez l'étirement au niveau de la poitrine. Et soufflez, relâchez. Inspirez profondément. On se grandit. On pousse un tout petit peu dans les genoux. On cherche à toucher le plafond du bout des mains. On retrouve les courbures naturelles du dos. On inspire profondément. Et flexion de genoux, je souffle. Je relâche complètement vers l'avant. Le haut du corps est relâché, le dos est rond. Et je remonte tout doucement en déroulant vertèbre après vertèbre pour terminer par les épaules, tout doucement, les cervicales. Ta séance est terminée. Bien joué, tu peux être fier de toi.
Dis-nous ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire et n'hésite pas à la liker aussi. On se retrouve pour la prochaine séance. Bonne récup à toi et à bientôt. Salut!